le peuple bavarois de mettre en exergue sa riche culture. Je propose de regarder ce reportage de Wilfried Kouatou de Certi Ouest. Les cyclotouristes ont pu prendre la pleine mesure de la richesse culturelle des Bangois. Au palais royal, le roi des Bangois, Sa Majesté Tiampo Tiachuan Ali Julio, accompagné du roi des Bamena, présente au rang d'honneur cycliste des arts sculpturaux du groupement Bangois, masques, statues et autres objets qui incarnent la puissance du trône et qui révèlent le génie créateur des artisans Bangois. C'est une visite de courtoisie à la fois culturelle et touristique. Donc, ils sont venus pour découvrir les richesses touristiques et culturelles du groupement. À l'occasion, nous avons mobilisé nos différents groupes de danse. Ils ont visité notre case patrimoniale. Et d'ailleurs, le conseiller à l'ambassade, il a beaucoup apprécié le fait que les artisans se sont mobilisés à l'occasion pour créer une opportunité d'affaires. Cette exposition est orchestrée par le comité d'organisation de la commémoration des 20 ans du décès du roi Tiachuan Wantongpol et de la célébration des 20 ans de règne de l'actuel roi des Bangois. La visite du musée de Bangwa, une case patrimoniale mise en place avec le concours de la route des chefferies. La découverte de la tradition de chasse qui fonde cette chefferie et merveille des visiteurs. Sa Majesté qui fait un travail absolument formidable et je peux le dire qui pour moi est devenu un ami. C'est un vrai entrepreneur, c'est un chef traditionnel mais c'est en même temps un homme moderne qui cherche à faire la promotion de sa chefferie au niveau touristique et culturel avec un modèle d'écotourisme qui me semble absolument très intéressant avec un musée magnifique et un sens de l'hospitalité qui me fait dire que nous reviendrons souvent et que nous essaierons de l'accompagner dans ses projets. Au-delà du culturel, le social. À la place des fêtes de la chefferie, l'association Les Mariannes remet des cadeaux aux meilleurs élèves de Bangwa pour les encourager à cultiver l'excellence. Des cadeaux constitués d'un kit anti-Covid-19, de fournitures scolaires et des friandises. Pendant le déroulement de ces activités sociales et culturelles, une partie de cyclotouristes fournit des efforts pour surmonter l'étape la plus rude du cyclotourisme 2021. À la vallée de Bana, si éprouvante pour les mollets des cyclotouristes, ils ont pu tout de même tenir le coup. Même son excellence Christophe Guillou. Je m'entraîne régulièrement. Le cyclisme, il faut vraiment, c'est de la discipline, c'est de la rigueur, c'est travailler sans excès régulièrement. Et voilà, ce sont des étapes difficiles, mais c'est important justement parce que c'est aussi ça la passion du cyclisme. Dans tous les sports, dans la douleur, on ressent ensuite un plaisir dans le cyclisme comme dans toutes les disciplines sportives. Après l'effort, le réconfort. Accueil chaleureux à l'entrée de Bangwa par Sa Majesté Tiampo Tiachuan Ali Julio. Sa Majesté saisit l'occasion pour présenter les grands rendez-vous qui attendent de Bangwa en cette année 2021. C'est une année charnière pour nous. D'abord, au mois d'avril, nous avons la commémoration de 20 ans de décès de notre papa, Sa Majesté. De regretter mémoire. Et en décembre, conformément à nos succès coutumes, il y aura la cérémonie des funérailles au palais. Et avec en point de fond la célébration de mes 20 ans de règne. Le roi appelle à une grande mobilisation. Je ne me lasserai pas de sensibiliser les fils et filles bangois et les amoureux de la culture d'être présents pour ces événements, si possible. Mais c'est obligatoire pour chaque fils bangois, partout où il se trouve, de soutenir le comité d'élection et de Du côté de Bangwa, je suis toujours en compagnie de Grâce.